vraiment avec de l'eau. Ce que ça se trouve à faire, c'est apporter de l'oxygène au feu. Donc le feu prend de l'ampleur et non le contraire. Le résultat désiré avec le couvert, quand on le met dessus, on va l'équiper tout simplement. Si on enlève le couvert trop vite, ben, automatiquement il va se renflamber avec le contact de l'air. Et voilà. Fait que s'il renvoie de l'eau, tant que tant qu'il y a d'huile, le feu va prendre l'ampleur, dû à l'oxygène que ça va apporter. On peut venir à vous avec une bonne quantité d'eau de l'éteindre, sauf que avec les flammes, que ça, vu que le feu prend de l'ampleur, on risque de faire plus de dommages. Oui. Une chose qui est très importante aussi, c'est de ne pas avoir le réflexe de prendre le chaudron et de vouloir le sortir à l'extérieur. Premièrement, le chaudron il est chaud, puis en se déplaçant, mais le feu va courir vers vous avec cause de l'air. Fait que ça va vous mettre en danger, puis là, si vous échappez le chaudron, là, la partie est finie, l'huile s'étend sur le plancher, puis le feu, ben, se retrouve à la grandeur de la maison. Le mieux, c'est avec un instincteur. On a toujours aussi la petite vache à apporter de la main à la maison. Ça peut être efficace si on n'a pas d'instincteur près de nous. Puis on va juste attendre que l'eau s'évapore dedans le chaudron, puis ensuite de ça, on va faire une extinction avec un extincteur portatif. On va vous montrer avec l'instincteur la façon de éteindre complètement le feu de cuisinière. La température de l'huile qui est extrêmement élevée, automatiquement avec le contact de l'air, elle s'auto-enflamme. Avec une bonne quantité de poudre, on va venir en bout de neutraliser l'incendie complètement. Et voilà, fait que c'est comme ça que se termine la démonstration. Dans un instant, on va procéder au sapin de Noël. Si vous voulez.